Portrait de la femme de Jacques Balmat, peint par un inconnu dans la première moitié du XIXe siècle. Ce portrait représente une dame âgée en train de filer la laine sur un rouet. Elle porte des lunettes et un foulard rouge sur les cheveux. Elle est assise sur une chaise, face à son rouet, et regarde le spectateur. À l'arrière, sa quenouille est pleine de laine. Une inscription dans l'angle supérieur de la toile donne l'identité du modèle. Cette dame est l'épouse de Jacques Balmat, vainqueur du Mont Blanc avec le docteur Paccard, ce qui daterait ce tableau des années 1830. En effet, Jacques Balmat avait épousé Jeanne Simon le 24 septembre 1782. Elle est décédée la même année que son mari, en 1834, à l'âge de 70 ans.